Good morgen, allez, il est sur le jour de la bat miram, c'est qui le fouat. Olivier, Israël, Shimon, ben Chalester, Khamchat miram, bat Rosena, et bien-aimé, ben Chalester, bat Rosena, pour l'Israël, si vous avez aussi l'idée, la prochaine étude de Michel, avec cette communauté éternelle. Nous écrivons à Sechet Eroïn, Derek Alef, Mishnah, bet, Her, Sherma, Boy, bet, Shamay, Omrim, Lechi, Vekora, ou bet, Ilel, Omrim, Lechi, Okora. Rabbi Eliezer, Omer, Lecha, Yain. Mishum, Rabbi Ishmael, Amar, Temid, Echad, Lifnei, Rabbi Akiva, Lo, Nechluku, bet, Shamay, bet, Ilel, על מבוי שהוא פחות מארבע אמות, שהוא ניתר או בלחי או בקורה. על מה נחלקו לרחב מארבע אמות ועד עשר, שבית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. אמר רבי עקיבא, על זה ועל זה נחלקו. Bon, vous rappelez hier, on avait déjà introduit la notion du mavoy, l'allée de l'immeuble, qui est délimitée par même trois murs, elle a déjà trois murs, elle est juste ouverte pour le Shudrabim, pour l'ouverture, pour pouvoir porter dans cette allée, à part l'histoire de mettre le pain en commun, qu'on aura l'occasion de plus allonger dessus plus tard dans la Sefet, pour le moment on s'intéresse à savoir là, à délimiter l'allée, c'est-à-dire les trois murs, il va falloir lui boucher le quatrième mur, mais de quelle manière, c'est pas la peine de lui construire un mur, ni même pas d'obligation de lui faire une forme de porte, on peut juste lui mettre soit un léchi, soit un korah, c'était comme ça qu'on avait expliqué. Un léchi, c'est le tasseau sur le côté, la korah, c'est une poutre. En réalité, on va découvrir dans notre Mishnah que c'est discutable. Et on commence par traduire. Hercher mavoy, pour pouvoir permettre de porter dans cette allée, Bet Shamay omrim léchi ve korah. Bet Shamay requiert de mettre à la fois le tasseau et même la poutre au-dessus. La Gemara explique, en fait, Bet Shamay, c'est le rabbin de la Torah, il pense que le maître, qu'en réalité, pour pouvoir définir que ça devienne un vrai rechutaïri, un vrai domaine privé, il faut nécessairement quatre murs. Seulement, on a une halakha qui nous dit, tu sais, c'est pas la peine d'avoir le quatrième mur total, complet. Tu peux même te contenter de mettre, il suffit que tu mets l'horizontal et un la verticale, et ça fait que t'as déjà mis cette fois-ci deux dimensions, ouais, pour pouvoir avoir un début de mur, ça suffit pour substituer le mur. Mais en réalité, sur le bachama, il va falloir faire quatre murs. Le quatrième mur, ça suffit de lui mettre un tasseau à l'horizontale et un tasseau à la vertical. D'accord? Ça, c'est pour le bachama. Bethel Amrim le ri au Kora. Bethel nous dit non, c'est pas la peine. Tu peux mettre soit une poutre, soit un tasseau. C'est pas la peine de mettre les deux. Entre parenthèses, le parcours noir allonge beaucoup pour expliquer ici. Une première notion, j'explique plutôt la fin du parcours noir pour le moment, qui me dit qu'il y aura une différence fondamentale. Est-ce que je mets une poutre ou est-ce que je mets un tasseau? Si je mets une poutre, réellement, c'est un lieu délimité par trois méchitzot, par trois barrières, uniquement trois murs. Parce que la poutre ne substitue pas un mur, tandis que le tasseau sur le côté substitue un mur. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence est de celui qui va jeter, qui va transporter du Reshut Arabim à cet endroit-là du Mavoy, parce que ça peut être la portée de la voie publique au domaine privé ou non. D'accord? Mais je referme la parenthèse parce que ça va alourdir sinon pour ceux qui ne suivent pas, sinon ça va faire mal. Je reviens pour le moment, si vous avez compris, c'est pas compliqué. Comment je permets l'allée? Donc, Bachamay me dit un à l'horizontale et un à la verticale. Et Bethilel me dit non, soit le tasseau sur le côté, soit la poutre au-dessus. Rabbi Eliezer Omer le Chayaïn. Selon Rabbi Eliezer, me dit non, il faut mettre deux tasseaux sur le côté. La Gemara explique qu'il faut. Non, la Gemara a un doute. Est-ce qu'il faut lui mettre aussi une poutre? C'est pas précisé dans les bâtonnets ici. Donc, je déduis qu'il a conclu que. Juste mettre deux poteaux sur le côté. D'accord? La Gemara, elle dit qu'il faut même le rajouter à la poutre aussi. Mais en tout cas, selon Rabbi Eliezer, tel qu'il a rapporté ici, deux poteaux sur le côté uniquement, et ça suffit, d'accord? Ok? Donc on a trois avis, comment permettre l'ouverture de l'allée de l'immeuble. Sur ça, on va avoir un quatrième avis. Mishum Rabbi Ishmael, à Martel Medechan. Il y a eu un disciple qui a dit au nom de Rabbi Ishmael, en réalité, la Gemara explique que c'était Rabbi Meir, qui étudiait la Torah chez Rabbi Ishmael, puis ensuite chez Rabbi Akiva. Et quand il est arrivé devant Rabbi Akiva, il a dit, tu sais, moi quand j'étais chez Rabbi Ishmael, j'avais appris quelque chose. Il a dit, il est fini Rabbi Akiva, il a dit devant Rabbi Akiva. Donc, je reprends. Il faut inverser l'ordre de la phrase. Talmid Echad, il a dit au nom de Rabbi Ishmael, devant Rabbi Akiva, d'accord? Littéralement, la phrase est un petit peu à l'envers. Au nom de Rabbi Ishmael, un élève a dit devant Rabbi Akiva. C'est vrai qu'il y a une discussion entre Rabbi Akiva, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais il n'y a pas de discussion lorsque l'ouverture de l'allée, ou lorsque la largeur de l'allée est inférieure à 4 amot, à 2 mètres de large. Si elle a juste moins de 2 mètres de large, comme ça peut être l'allée principale de l'immeuble, mais plutôt une petite allée de par derrière pour pouvoir passer au parking, peu importe.
où il y a moins de 2 mètres de large dans l'allée, eh bien sur ça, il n'y a pas de discussion, même d'après Rabbi, même d'après Beth Shammai, comme d'après Beth Shammai, comme d'après Beth Hillel, chez Unita, en Belechi ou Bekora, il suffit de lui mettre soit le tasseau sur le côté, soit la Korah, soit la poutre au-dessus. Alma, Nechloko, dans quel cas, il y a oui la discussion entre Rabbi et Kiva, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, Rachav Marbamot va desser, si toutefois, il est la largeur de l'allée, elle est plus large que 4 amot, donc 2 mètres, jusqu'à 10 amot, jusqu'à 10 mètres, jusqu'à 5 mètres de large, de 4 à 10 amot de large. Et dans ce cas-là, il y aura la discussion entre chez Beth Shammai Umrim, Lechi et Korah, Beth Hillel Umrim, Lechi et Korah. Que Beth Shammai nous ont dit soit qu'il faudra nécessairement le Lechi et Korah, Lechi c'est le tasseau sur le côté, la Korah c'est la poutre au-dessus, et que Beth Hillel a dit non, ça suffit de mettre un seul des deux. Ok ? Donc en gros, ce disciple qui est Rabbi Meir, il a important nom Rabbi Shmuel, que la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel ne se trouve que dans une allée qui a une largeur de 4 à 10 amot uniquement, moins de 4 amot de large, il suffit de mettre soit un poteau, soit une poutre au-dessus. Amar Rabbi Akiva, et sur ce lieu, il doit rétorquer Rabbi Akiva, non. Sache que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, Alzen et Alzen et Chekou, la marloquette, elle est sur tous les cas. Même s'il y a moins que 4 amotes, même si c'est une petite allée qui fait 2 amotes, j'ai par exemple dans mon immeuble une petite sortie par derrière, où on se retrouve avec 80 cm de large. Et ben même là-bas, il faudra même lui mettre, selon Beth Shammai, Beth Hillel, il suffit de lui mettre soit un poteau, soit une poutre, et d'après Beth Shammai, il faudra mettre des poutres. D'accord ? Autre précision encore qui se retrouve dans le Bartanora, cette fois-ci dans le long Bartanora qu'il y avait, une précision assez importante. Tout ce qu'on parle d'une allée, on distingue en fait le Mavoy et le Khatser, l'allée et la cour. La loi, elle explique, c'est pas uniquement sur le débouché, mais c'est complètement sur la forme. Est-ce que la longueur est plus large, elle est plus longue, est-ce que la profondeur elle est plus longue que la largeur? C'est-à-dire, si on a une allée qui est plus large que profonde, eh ben, elle va avoir un statut de Khatser, de cour, et dans ce cas-là, on ne pourra plus la permettre avec un Mechi ou une Kora, avec une poutre ou avec un tasseau ou un des deux, il faudra nécessairement lui mettre soit deux tasseaux sur le côté, soit lui mettre un tasseau large de 4 tfachim, comme on découvrira plus tard. Ça, c'est si c'était un khatser. Par contre, si l'allée, elle est plus profonde que large, dans ce cas-là, elle a un statut de mavoy, ça suffit de lui mettre un échi ou une korah. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, comme toujours.